Francine Bavé, conseillère régionale d'Île-de-France. Étiquette EELV comme ah. Europe Écologie Les Verts. Européenne par construction, parce que petite arrière-petite fille d'une famille née à Maastricht. Ah oui, effectivement. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Internet et la démocratie? Est-ce que vous pensez que ça apporte quelque chose? Alors, je vais commencer peut-être par la démocratie. De mon point de vue, il n'y a qu'une preuve de démocratie, c'est la volonté de l'améliorer. Avec une définition comme celle-là, avec une formation d'ingénieur en télécommunication, je ne pouvais que m'intéresser à Internet et j'ai fait partie de ceux qui l'ont quelque part acclimaté en France. Allons bon. Donc, évidemment, l'enjeu était de l'user à des activités d'approfondissement démocratique. Je pense qu'on pourrait faire bien mieux. J'ai l'habitude de dire qu'aujourd'hui, plein de gens utilisent leur carte bleue pour faire du commerce sur Internet et qu'ils pourraient utiliser leur volonté politique pour inventer de la démocratie sur Internet. Et je crois que l'enjeu du débat que nous allons avoir demain, c'est celui-là. C'est comment utiliser cette version 2.0 de l'Internet pour en faire de l'approfondissement démocratique, sachant bien que ce n'est qu'un moment de l'invention d'Internet, qu'il y aura certainement encore des améliorations, mais que si on rate un moment, on rate la capacité à s'approprier un espace public mondial qui, de mon point de vue, pourrait servir à l'invention d'une société globale qui ne soit pas la société des multinationales, mais qui soit une société de l'humanité dans sa multiplicité. Je crois que l'enjeu de ce que nous allons essayer de faire demain, c'est de donner à chacune, chacun, la capacité de s'approprier ces outils-là tranquillement pour en faire les outils de l'augmentation de la démocratie, au sens où il y a une augmentation virtuelle de nos capacités cognitives grâce aux nouvelles technologies. Donc il faut augmenter la démocratie pour l'approfondir enfin.